Bonjour à tous. Aujourd'hui, la séance est préparée par des amateurs. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents. Pour l'instant, on va faire un petit échauffement avec course sur place. Workout Music Source. Three, two, one. Work. Three, two, one. Rest. Three, two, one. Work. Got the only key, know how to turn it on. The way you live alone, you're the only words I wanna hear. Maybe take it slow so we can last on. Quiero ser mi mami, yo soy el metal. Baby, yo soy cuando voy andando a hablar. Solo con pensar o si acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Three, two, one. Rest. Three, two, one. Work. 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 Three, two, one.
Three, two, one. Work. Three, two, one. Work. Three, two, one. Work.
Three, two, one. Take a look in the Work. Mirror. Tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in a Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. Three, you deserve it, baby. Two, you deserve one. It all. Rest. Three, two, one. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Rest. Three, two, one. Work. Talk to me, talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. Rest. Three, two, one. Work. For you, that's what I like. That's what I like. Rest. That's what I like. Three, two, one. I rent a Work. Beach house in Miami. Wake up with no jammies. Nope. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. Yo. You got it if you want it. Got it, got it if you want to say. You got it if you want to take my wallet. If you want it now. Jump in a Cadillac. Girl, let's put some Three, miles on it. Two, Anything one. Rest. Put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Three, two, one. Work. Three, two, one. Work. Three, two, one. Work. Three, two, one. Rest. Three, two, one. Work. Single mama, you're doing out there. Based in the hard life without no fear. Just so you know that you really care. Cause three, obstacle come, you two, prepare. One. Mama, you never say rest. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe au mieux, que vous n'êtes pas malade. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo avec trois postures de yoga, des postures très simples pour vous étirer un petit peu.
Alors au niveau des postures, il ne doit jamais y avoir de douleur, d'accord? Ça étire, c'est normal, mais si jamais vous voyez qu'il y a des douleurs, vous ne forcez pas, soit vous adaptez la posture, soit si vous avez des problèmes de dos ou des problèmes au niveau d'une articulation, vous ne faites pas la posture. Voilà, bon, normalement c'est des postures très simples, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors je filme avec les doudous de mon fils derrière pour tenir mon téléphone, moi j'espère vraiment que ça va tenir. Allez, c'est parti. Alors. Alors, désolée, j'ai des petites allergies. Donc, après la séance de PPG, voilà, on a bien bossé, donc le souffle est un petit peu saccadé. On va déjà prendre 2-3 respirations, se poser dans le sol, reprendre un petit peu le souffle. Voilà, donc vous mettez vos pieds légèrement écartés, le bassin en rétroversion, les épaules un petit peu en arrière. Et vous prenez, voilà, 3 respirations. Voilà, le calme après la tempête. Voilà, là c'est le moment de se relaxer. Alors, c'est parti. Premier exercice, on va venir se mettre en planche. Alors, on va commencer par une posture d'ouverture du corps. Je vais peut-être essayer de mettre un peu plus tout à fait comme ça. Voilà, on va faire une posture d'ouverture du corps. Donc vous allez vous mettre en planche. Les coudes doivent être rentrés, hein, pas comme ça. Donc c'est parti. On prend une bonne inspiration. On va poser les genoux. Voilà, on va rentrer les orteils dans le sol. Et sur une inspiration, on va s'élever. Les coudes toujours bien rentrés, attention, les orteils bien dans le sol, vous poussez sur les orteils. S'il y a des douleurs, n'hésitez pas à poser vos genoux et à rester comme ça. C'est tout à fait correct aussi. Hein. Voilà, vous allez faire 3 respirations complètes en essayant d'allonger l'expiration. Au bout de 3 respirations, vous allez inverser vos orteils, vous allez pousser sur l'avant des bras et passer en chien tête en bas, qui est une posture très connue. Attendez, je vais avancer un petit peu. Mais attention à bien garder votre dos droit, donc poussez bien sur les bras. Hein. Il ne faut pas se mettre comme ça, hein. C'est vraiment les bras qui poussent. Voilà, après vous allez essayer de poser vos talons vers le sol. Alors c'est normal de ne pas y arriver tout de suite, hein. Il faut garder un petit peu de souplesse. Les talons ne doivent pas à tout prix toucher le sol, hein. C'est vraiment avec le travail que ça va aboutir. Je cherche mes mots. Là vous faites 3 respirations, là, ça étire bien l'arrière des mollets. Voilà, au bout des 3 respirations, on va venir se remettre en planche. Vous allez amener la jambe gauche au niveau des mains, inverser les orteils de pied de la jambe droite, bien allonger votre jambe et vous allez venir vous allonger. Alors, si ça tire trop, n'hésitez pas à rester comme ça. Hein. Et on va refaire 3 respirations dans la posture. Au bout des 3 respirations, vous allez remettre vos mains au niveau de votre genou. Repasser en planche. On va faire votre jambe. Donc vous allez ramener la jambe droite au niveau de vos mains. Plier votre jambe. Allonger la jambe gauche. Et vous allez repartir pour 3 respirations.
Alors, au bout de 3 respirations, on repasse en planche. Vous allez, par petits pas, ramener vos mains, vos pieds au niveau de vos mains. Hop, vous tirez vos jambes, vous pliez un petit peu vos genoux et vous ramenez le dos avec les bras. Voilà. Et pour la dernière posture, vous avez besoin, alors sauf si vous êtes très souple, ce qui n'est absolument pas mon cas, d'une petite brique ou d'un coussin. Le but, c'est que ce soit quelque chose qui ne soit pas mou. Il faut vraiment que ce soit quand même quelque chose de dur. Donc vraiment un coussin bien plié. On va venir mettre au milieu du dos pour aider. Alors, j'espère que ça va. Allez. Alors, on va se mettre à genoux. Les pieds sur les côtés. Les pieds sur les côtés. Voilà. Cheville, hein, donc surtout ne forcez pas. Le but, ça va être de venir s'allonger. Alors pour ceux pour qui ça force, vous pouvez tout à fait rester comme ça. Hein, c'est aussi très bien. J'espère qu'on voit bien. Enfin, désolé, c'est pas facile. Là, il y a la patte de la panthère du doudou de mon fils qui va devant mon téléphone. Et du coup, je vois pas très bien. Voilà. Voilà, allez, on s'allonge. Donc je disais, donc ceux qui ont un petit peu des douleurs au niveau des chevilles, vous pouvez vous rester tout à fait comme ça. Hein. Voilà, vous mettez le petit coussin au milieu du dos. Et on va venir allonger les bras. Et là, vous faites 3 respirations. Voilà, normalement ça tire bien au niveau de l'avant des cuisses. Hein. Désolée, je ne connais pas très bien les groupes musculaires, j'ai des petites lacunes là-dessus. Au bout des 3 respirations, vous allez ramener vos bras. Élevez le buste en vous appuyant. Et vous allez pouvoir ensuite, pour ceux qui ont un petit peu de temps, vous asseoir sur votre petit coussin et reprendre un petit peu de respiration, continuer à vous relaxer, à détendre. Voilà, en sentant son corps qui a bien travaillé, qui est bien, bien musclé et bien étiré. Voilà. Bon, j'espère que les postures vous ont plu, que vous avez bien entendu et que ça a été très clair. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez bien vu, mais voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, j'espère. Bisous.